Travailler l'explosivité pour amener son adversaire à la soumission, 20 ans que Laurence use son kimono pour le jujitsu. Avec une envie, une concentration et une rigueur toujours intactes. C'est maintenir une explosivité qui est nécessaire dans notre pratique. Il y a des phases où c'est des phases lentes, et puis il y a des phases qui nécessitent vraiment un mouvement rapide et dynamique, et vraiment très explosif pour pouvoir sortir d'une position, attaquer une position, etc. etc. Toujours à ses côtés, Baptiste Hamid pour parfaire sa préparation physique. À Paris, il l'aidait déjà, à Toulouse, il continue. Il connaît parfaitement Laurence et ses atouts pour les championnats du monde qui se dérouleront à Las Vegas au mois d'août. C'est quelqu'un qui met du travail d'activation avant entraînement, du travail de régénération après entraînement, qui fait du travail le soir aussi à la maison, qui permet à son corps de régénérer. Et donc où elle est forte, c'est qu'elle avance en âge, mais ça lui permet encore de s'entraîner tous les jours, de faire des compétitions, de viser des titres mondiaux. Et là, je vais tirer le bras, kicker avec ma jambe et monter les hanches. Boum. Avec le jiu-jitsu brésilien, le combat se situe surtout au sol. Stratégique, technique, il existe plusieurs prises pour vaincre son adversaire. Méticuleusement, Laurence a tout noté de ses expériences entre 2000 et 2005. Pas ce que j'ai écrit. Par contre, il y a des techniques que j'utilise toujours. Hein. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Pour moi, c'était l'encyclopédie à l'époque. Après, YouTube est arrivé, donc ça a tout changé. À force de persévérance, Laurence s'est faite reine du monde, détrônant pour la première fois les Brésiliens sur leur terrain. C'était en 2007. Ça fait un petit moment que je cours après, et là, j'ai réussi à l'avoir. Donc c'est surtout ça qui passe en premier. Et après, on se rend compte plus de la chose quand c'est les autres qui viennent nous en parler, qui viennent nous dire ah, « tu te rends compte, t'es la première européenne, t'es pas brésilienne ». La championne a monté son club de jiu-jitsu, installé sa propre salle il y a quelques mois. Elle compte une centaine d'élèves de tout âge et de toute profession. On m'avait recommandé cette école. Tout le monde me disait que Laurence était le meilleur professeur et que vraiment on apprenait bien. C'est quelqu'un de très impliqué, très pédagogue. Donc voilà, elle anime une équipe avec une bonne ambiance. On se tire vers le haut. Je suis venu un peu par hasard. C'est pas du tout mon truc à la base, le sport de combat. Et puis j'ai découvert, je me suis amusé vraiment comme un gosse quand j'ai fait ma première séance. Et du coup, j'ai adhéré au truc. Quand on essaye, on devient très vite addict. Merci à tous, bonne soirée. Accro, épuisé, heureux, les adeptes du jiu-jitsu sont de plus en plus nombreux et toujours dans le respect de l'autre.